Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je me fais tatouer pour la première fois. J'y vais pas avec un tatou, mais bien deux tatous, mais ils sont vraiment petits, fait que ça compte pour un, même moins que un parce que c'est vraiment petit. Fait que c'est quelque chose que je voulais, ça fait quand même un bout. Je savais pas je voulais quoi exactement comme tatou ni où, mais je savais la signification que je voulais. Puis là, petit story time rapide. Ça doit faire environ peut-être un mois et demi que j'avais rêvé que je me faisais tatouer des arbres sur l'avant-bras. Fait que genre ça a vraiment pas rapport avec la signification de ce que je veux, ça a aucun lien, puis genre je veux pas ça. Mais j'avais quand même rêvé que je me faisais tatouer, fait que là, c'était pas à cause de ça que je l'ai fait. Mais ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un sondage comme quoi c'était un signe ou pas que je devais me faire tatouer. Puis je sais plus c'était quoi les réponses là, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui avait répondu que c'était un signe. Fait que je trouvais ça bien drôle. Fait que si vous me suivez pas sur Instagram. Après ça, environ 2 semaines plus tard, je me suis réveillé un matin, puis j'avais mon idée de ce que je voulais. Mais tu sais, je dis ça comme si c'était vraiment compliqué, mais c'est vraiment quelque chose de simple. Mais j'avais mon idée, je savais ce que je voulais. Il me restait à trouver l'endroit où je voulais me faire tatouer. Puis l'endroit, ça a été quand même long, j'ai hésité là. Comme je me suis décidé, mettons, la journée avant de me faire tatouer l'endroit où je voulais. Je suis prêt à partir pour le tattoo shop. Je suis un peu stressé. Je sais comme pas à quoi m'attendre. Vu que c'est ma première fois, je sais vraiment pas. Je sais pas si ça va faire mal. Je sais pas. Je sais rien. Fait que je suis un peu stressé, mais je suis excité. J'ai bien hâte. Ça devrait pas être si long. Ça devrait pas être si pire parce que, comme j'ai mentionné, c'est vraiment deux petits tatous. Fait que ça devrait vraiment pas être si pire. Fait que là, je m'en vais directement au tattoo shop. C'est proche de chez nous. Puis Alex, ma cousine, vient me rejoindre là-bas parce que je suis trop moumoune, lol. Puis je voulais pas y aller toute seule, fait que j'ai demandé si elle voulait venir avec moi. Puis ça faisait bien plaisir, elle était bien contente de venir. Puis en même temps, vu que je veux filmer là-bas, ben on va pouvoir filmer pendant que, ben, pendant que moi je me fais tatouer. Fait que, ben c'est ça, on y va. Et un Yes. petit Martin de fête! T'as encore des bonbons d'Halloween, Of course. I thought people would eat them all. Oh, that's your second coffee! Ça va-tu tenir là-dessus? Ça va-tu quoi? Ça va-tu tenir? Genre, ça me lâche pas dans la face? Oh, ben non, ben non, non. Non, je pense pas. You think the camera would like to jump on you? Non, mais c'est attaché. Il est stressé? Un peu. Ça va être easy. Gang, gang. Alex is here. Yay. Ça va être chill. Non, mais c'est rien pour rien, genre ça te prend. C'est pas assez gros pour que ça te prenne. Genre, ça pour sûr, ça brûle, genre, mais c'est pas. C'est rien de genre, ils ont. Mais, on dirait, je sais pas, mais les gars, genre, ils ont pas le même seuil de tolérance que nous. Moi, je suis fucking pas tolérant. C'est ça l'affaire, là. Mais au moins, t'as quelque chose de petit, tu sais, c'est pas quelque chose que. Ouais. À un moment donné, pis après le tatouage, tu fais genre, ah, finalement, c'était pas ce genre, genre. Ouais, tu veux que je fais. Oh, il shake! Mais non. He's shaking! This queen is shaking. This, you're a queen. I'm you're allowed to shake. I'm a queen. Mais c'est genre, je shake pas trop. On non, je shake pas. I'm like stopping you anyway. So. Check ça. Ok, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Ok, ça fait vraiment pas tant mal. Vraiment.
C'est comme ça, c'est vraiment pas épais. Ok, c'est chill. Yeah! Moi, c'est écrit par un chat. Ouais, yes. ça ressemble à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. C'est juste que c'est comme genre une... C'est constant, mais tu sais, à un moment donné... Ça arrête comme longtemps. Ouais, à un moment donné, ça arrête, là. Si t'as l'air d'avoir mal en crisse. C'est incroyable. Wow. Tu fais bien ça! Okay, tu fais full bien ça! Oh my, thank you so much! Oh my! Oh my! Oh, il y a un chat dans mon bras. Tu fais quoi sûrement? Ah, c'est fucking beau! Oui! Si? J'adore. Sauf que c'est ça, parce que anyway, je te mets un bandage. Ah, oh, c'est fini? Oui! What the fuck? Ok, yeah. So, I will switch you. Donc, est-ce que t'es prêt pour le deuxième? Ouais, ouais. Ah, ouais. On te met en faire un troisième. Oh my god! Yes! Non, un deuxième. Mon don. Il sort d'ici full tatoué, genre. Full tatoué. Là. Venez voir le show de l'abécédaire le 18 décembre au pub Brouhaha. Moi, je fais ma pub pour mes shows. No shame. No. You, no shame. You gotta promote yourself, girl. C'est assez inclusive pour toi. Tu sais, ça fait vraiment pas mal. Non. It's like a cat scratch, like a cold. Non, je te dis, pis là, c'est pas. Tu sais, j'ai reçu le pied, là. Peut-être t'aurais plus mal. Il y a des places, ça fait plus mal que d'autres aussi, là. That's true. Moi, mon premier, c'était sur le sein, j'ai rien senti pour elle. Genre, ça shakeait pis ça chatouillait pis c'était ça, là. Pis l'Olam. Je le sens, mais genre, c'est pas chiant. Ouais. L'Olam, ça ramène en tabarnak. Mais il va falloir que tu t'en fasses faire d'autres, tu vas voir les autres. Mais lui, il fait plus mal que le haut. Ta-da-da-da! Le mot, il va partir, by the way. I'm shaking. Ah, oh, il shake. Shake with nervousness. Ah, tu sens un peu. Tu saignes un peu. Yes. Ah, oh, puis bleeding my life. Bleeding love. Oh, during the day, if you bleed, just wash. Comme tu fais juste boop. Et tout, comme ça. Yeah. R.O. Oh my god, you have a tattoo. You have two tattoos. Yes. For your mom and dad. Nope, oh. It's there. Thank you, next bitch. Well. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo où je me suis fait mes deux tatous. Honnêtement, ça a vraiment pas fait mal. C'est sûr que c'était pas super gros, c'était pas super long, ça a genre même pas pris une minute par lettre. Fait que je peux pas dire que c'était long. Fait que tu sais, peut-être ça avait été plus long, ça aurait fini par faire mal. Je compare ça à un chat qui te griffe. T'sais, ça comme ça chauffe, puis comme... Ouais, ça chauffe. Puis c'est juste que comme ça arrête pas tout le long que tu te fais le tatou. Fait c'est vraiment pas chien. Peut-être qu'à d'autres endroits ça ferait plus mal, j'ai aucune idée. Mais ça a super bien été. Là ça fait 2 jours exactement que c'est fait. Puis à date ça va super bien, je réagis pas, c'est pas rouge, ça pique pas, ça a pas chauffé, ça a pas fait de mal. Là j'ai commencé à mettre de la crème, fait que pour de vrai la guérison semble bien aller. Ça je suis bien content. Je regrette pas l'endroit où je les ai faites, pas du tout, je regrette pas de les avoir faites tout court. Depuis les... Je trouve que comme c'est subtil, c'est comme c'est simple, c'est pas trop gros, pas trop présent, mais comme je le vois quand même tout le temps. Je pense pas que j'ai dit c'est pourquoi. Le R c'est pour Rachel, ma mère, puis le O pour mon père, Oliva. Donc ben je savais que c'est des trucs que j'allais jamais regretter, puis qu'elle allait toujours être représentative pour moi parce que mes parents, c'est Keten, mais c'est les personnes les plus importantes dans ma vie. Je les adore, ils font tout pour moi, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que je puisse faire ce que j'aime, ce que je veux. Fait que voilà, je sais que ça va toujours être important pour moi. Puis en plus, je l'ai fait le jour de ma fête, qui était lundi le 3 décembre. Fait que le jour de mes 21 ans, je me suis fait tatouer la lettre de mes parents. Je les ai fait faire au Vicious Tattoo au centre-ville avec mes. Fait que je vais laisser toutes ces coordonnées dans la barre d'infos. Elle était super fine. C'était vraiment le fun comme première expérience de tatou. C'est vraiment ce que je voulais, à l'endroit que je voulais. Mon R a recommencé genre comme le stencil avant comme 4-5 fois parce que c'était pas vraiment la place que je voulais. Fait que t'sais, ça soit vraiment que c'est ce que tu veux. Au début j'étais quand même stressé genre parce que j'avais peur que ça fasse mal. Fait qu'elle a commencé vraiment doucement pour me montrer ce que ça faisait. Puis sérieux, je vous la recommande, j'ai adoré mon expérience. Un gros merci à elle. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez aimé ça. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!